Alors, petite âne très active à la tâche. Vous voyez, je n'ai pas envie de rester à la tâche. Moi, je suis un âne. J'ai mon libre arbitre. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser faire. On va lui demander toujours avec une petite poussette sur le côté, dès que les pieds sont parallèles. Allez, on se laisse. Allez, voilà. Il me le donne. Pareil. Je dégage de l'extérieur. Voilà, vous voyez ici, le sabot est complètement différent. Mais le geste et le soin est identique. Alors, l'âne bouge. Donc il bouge. Je reste en place. Et au moment où il ne bouge plus 10 secondes, je lui permets. Là, il bouge. Je lui permets de reposer son sabot. Voilà, c'est une des techniques qui permet de lui faire comprendre que c'est pas parce qu'il va bouger qu'il va obtenir ce qu'il veut. Donc je reprends. Non. Non. Là, papa. Là, papa. Allez, non. Allez. Non. Voilà. Très bien. Donc je nettoie, pareil. Qui met doucement sur la fourchette. Et vous voyez, la fourchette, elle est nettement plus belle. Vous voyez, même si elle est usée, elle est vraiment très belle. Je ne vais pas avoir besoin de mettre de produit dessus, parce qu'on a un beau sabot. Lorsqu'on a un âne actif, actif à la tâche, d'autant plus faire attention à sa sécurité ou à la sécurité de l'âne. Donc, je lui demande, je dégage tout de suite ma tête et j'essaye, voilà, donc ça jette, je reprends parce que c'est pas lui qui décide, je garde en main, ça le dérange, voilà, bah ça le dérange, et ça se calme. Non, non, non. Hop, je dégage, voilà. Et au bout d'un moment, eh ben ça se calme. Non, non. Du produit. Non. Non. Je mets du produit. Ah, donne. Donne. Une technique, c'est d'aller chercher le pied opposé à celui sur lequel vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes de ce côté-ci, donc le pied dans le postérieur gauche de l'âne, et bien vous allez chercher le postérieur droit. Et donc de croiser, de faire croiser la jambe de l'âne. Voilà, et de faire le travail. Ça, c'est une autre technique, si ça peut simplifier la vie des âneux. Tu poses. Voilà.